Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 2 du Let's Play de Raft, épisode final, le saison 2, en compagnie de Rick, TVH et Farah. Et donc je précise, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, donc nous sommes bien rendus à la saison 2, puisque c'est le deuxième Let's Play Gadi Gaming sur Raft, hein, donc c'est la suite, hein, parce qu'on a repris la save du premier Let's Play dans le deuxième, et en l'occurrence, on est sur le chapitre final de Raft, puisque le premier Let's Play concernait les deux premiers chapitres, celui-ci concerne le dernier chapitre, le troisième chapitre, le dernier, voilà, qui c'est considéré comme le dernier par les développeurs, donc je pense qu'il n'y aura pas de quatrième chapitre, c'est le chapitre final, et donc du coup, on espère terminer cette histoire à la fin de ce Let's Play numéro 2, voilà. Ça c'est bien clair. Alors, on était parti pour plonger là, puisque si vous avez suivi les derniers épisodes, les viewers, on est en train de plonger, on est monté en haut de la grue, on est plongé en bas de la grue. On a plongé en bas de la grue, je sais pas si ça se dit. Si ça a du sens, c'est grave. Et en l'occurrence, on n'avait pas trouvé ce qu'on devait trouver. Normalement, on est censé trouver, alors je sais pas si c'est là ou pas, mais on est censé trouver une clé de grue pour activer la grue qui est en haut. Alors je sais pas ce que ça va faire d'ailleurs, parce que je vais l'activer, pas la bonne idée, mais en tout cas, ça demandait d'avoir une clé. J'imagine que la clé est dans les souterrains. Enfin, dans les souterrains, sous la grue, soit sous la grue, soit sous le bâtiment en face. Et comme il y a super profond, bah, les viewers, on va faire ça ensemble. Parce que vous allez voir qu'il y a du chemin. Alors, on va essayer de pas crever, hein, d'accord. Ok, alors là, je remets le head. Alors, je te suis, n'oublie pas, je n'ai pas de palme. Précédent. Et j'ai des bouteilles, mais il me reste un tout petit fond de bouteille. Je montre les viewers vite faire, j'ai plus que ça de bouteilles. Et j'ai un casque de lumière si jamais il y a besoin. Sauf que le casque de lumière, il va vite disparaître. D'accord. Okay, on y va. Voilà. Après, oui. Après les papillons de lumière, ce sera le casque de lumière. Oh, allez, vas-y. Il y a un requin qui te suit direct. Il y a un requin qui te suit. Il y a un requin. Alors, toi, voilà. Tu ne t'arrêtes pas sur les bulles. Déjà, ça commence. Sur la droite, j'avais trouvé un trou. Merde, il est où? Il est là. Il est là. Suivez-moi. Attention, requin. Vous me voyez? Vous m'avez vu? Ouais, je vous vois tous les deux. Je vois tous les deux. C'est bon. Vas-y, avancez, okay. Avancez. Je vous vois. Rentrez. T'as, c'est exactement où j'étais, bordel. Non, c'est pas. Ah, mais j'ai marché sur des pointes. Oh, regarde ça! Attention. Arrête de courir et cours dessus, TVH! Non, je vais tester! Il y a une échelle, regarde, il y a une échelle! Alors, j'imagine que l'échelle va nous servir à éviter de crever comme des merdes! On peut pas passer verrouillé. Ça? Non, on peut pas, ça sert à rien! Il y a un trou, non? La porte est verrouillée! La porte est verrouillée de l'autre côté! Bon, demi-tour! Attends, il n'y a pas moyen de la déverrouiller de l'autre côté? Hein. Bah, non. Si, mais c'est pour ressortir ça! C'est le piège en fait! T'arrives un peu vite et PAN! Tu tapes tous les pics là! Ah bah, c'est ce qui s'est passé! Et ça va faire un gars du fakir. Bon, attention, allez. Je vais un peu plus profond. Ouais, oui, on te voit, vas-y. Moi, je vois. Le bâtiment est éventré, donc je rentre. Oh putain, il y a un requin qui suit quelqu'un là. Non, dégage. Il est passé devant. Ok, il y a de l'air. C'est fait pour. On est sur le bon chemin. Ok. Ouais, s'il y a de l'air, j'étais à la moitié. Il y a des items à prendre. Il y a un requin qui nous suit. Hein. S'il y a besoin, je jetterai la PAC que Huawei m'a gracieusement fait avant de partir. Tu ne l'as pas laissé à Farah pour qu'il aille depuis le... Je vais me battre. Attends, hé, là, faut taper dessus. Il est là. Butez-le. Bah, j'essaie de taper dessus. S'il revient, on va l'avoir. Il est mort, c'est bon, vas-y. Maintiens-le, là, pour tout ramasser. T'as tout ramassé? Ok. C'est bon. Donc là, on risque plus rien. Une seconde. Éclaire la pièce, là, qu'on y voit un peu plus clair. Oui, on a déjà tout. Je mets mon cax. Voilà. Vous voyez là? Quelques items. Oui. Ça va? On voyait déjà avant. Tiens, G encore. Oui, il y a G. Je sais bien, j'ai vu la lettre G déjà. On parle depuis tout à l'heure là. Mm. Bah, moi j'ai vu le G aussi sur le bâtiment. Enfin, sur ce. Oui, hey. Sur celui d'en face. Non, sur celui-là. Qui nous parle là. Non, celui sur celui-là, il y a un G beaucoup plus bas, Rick. Parce que je suis allé beaucoup plus bas à la fin de l'épisode dernier donc. D'accord. Bref. Bon, attends, il n'y a pas d'autre passage ici? C'était que pour des items en fait. On voit rien en fait. Le casque de l'angleur là, il sert à rien. Bah, il éclaire un petit peu quoi. Si, moi je vois quand même un peu briller donc. Niveau dense. On avance. C'est ouvert, y'a pas grand chose. Après y'a la paroi et quoi. Ouais, mais là on peut rater des trucs. Pas grand chose. Si on n'a pas de bulles, je rappelle qu'on va crever. Moi je suis à la moitié. Si, les bulles là, suivez-moi. D'accord, on revient. Je suis derrière toi, je vous suis. T'es parti à droite dans le bâtiment, c'est ça hein. T'es descendu. Là, je remonte. Je suis là. Ok, ouais, t'es là, ok, super. Ok, donc c'est le bon chemin là. Après y'a des bulles, je vois des bulles en face. Des bulles, j'en ai vu tout le long du bâtiment, Rick, je te jure. Donc, Oui, mais c'est calculé en fait pour que tu puisses respirer. Alors, attendez, je suis Rick. Vas-y. En face, je vois effectivement des bulles, ouais, effectivement, exact. Ouais, et ça correspond à peu près à la moitié. Bah, voilà. c'est là que j'étais tout à l'heure, enfin, tout à l'heure pour les viewers, parce que les viewers, nous, on enchaîne la première à la deuxième vidéo pour info. En l'occurrence, c'est là que j'étais à la dernière vidéo, Rick. Tu vois la hauteur qu'il y a? Ouais. C'est pour ça que tu m'as dit à mi-chemin, pour moi, c'était là, à mi-chemin. Oui, non. Et il est où, TVH? Pas du tout.
J'avais dit que je partais d'un côté. Vous êtes sorti où? Vous êtes quoi? Alors, dans le... on est allé de l'autre côté. On a été de l'autre côté. En fait, on a continué. Ouais, tu le vois, c'est bon, nickel. Parfait. Tu vas me dire les méduses. Okay. Ok, on va où maintenant? Parce que je rappelle, j'ai pas de palme. Hein, donc, Alors, attends, non, vous partez pas au bon endroit, s'il vous plaît. Moi, je suis Rick, je suis pas quelqu'un d'autre. Mmh. Parce que oui, vous partez tous les deux en même temps. Il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à droite. En fait, je regardais juste de prendre à gauche, les méduses. Je suis pas sûr que ça soit le bon chemin là. Non, moi non plus, je pense que là faut que tu descendes plus. Demi-tour. Ouais, je retourne au bulle, hein, Eric. Oui, parce que là, moi, sinon ça va pas le faire. Je vais être limite là. Moi j'étais rendu là en fait à la vidéo dernière, les viewers. Je suis pas descendu plus bas. Je rappelle que j'ai des bouteilles sur moi au cas où. Vite. T'as plus de bouteilles non plus toi? Ouais, mais toi t'as des palmes toi, donc c'est pas trop un problème. Attends, je jette un œil, on regarde si on voit quelque chose. À mon avis, il va falloir aller. Ah, sur le rebord, sur l'autre bord, il y a des bulles. Ça descend à l'infini là. Ouais. Alors, où ça, t'es où là? Bien, suis-moi. D'accord. Attends, j'en prends un coup de bulle avant. Voilà. Là, y en a là, ici. Là. Ok, et voilà. C'est parti. Ah, faut aller en face. Oui, en face, je vois qu'il y a des bulles là. Je vois qu'il y a des bulles bâtiment. En face. Hein. Alors, il y en a aussi sur notre gauche là. Alors. Les voies là, à travers le. Oui, en fait, il y en a partout des bulles, je te dis, il y en a partout. Y a pas de doute. Alors, est-ce moi, j'en vois à droite. À gauche, il n'y a pas un passage. Alors, vas-y. C'est quoi? Moi j'aurais été en face parce que clairement en face y a, c'est éventré, il y a des bulles. Samedi vient, tu vois ce que je veux dire? Bon, allez en face, y'a rien. Non, vous allez à gauche avant, t'as dit. Y'a rien? Y'a rien à gauche. Ah, vous êtes sûr? Ok, donc je reviens là où on était sur les bulles. Hein. Ouais, on va en face, on va atteindre les bulles. Voilà, alors, je vais reprendre un petit coup parce que je rappelle que je n'ai pas de panne, mais c'est fait comme ça, les viewers, on avait décidé. Moi j'ai donné le. J'ai préféré garder en fait les bouteilles, hein. Allez voir la dernière vidéo. Ah, et j'ai donné mes palmes parce que je me suis dit que c'était moins risqué dans ce sens-là. Au final, je vais direct en face, les palmes ne sucent pas, c'est ça la différence. Ok, donc là je suis sur chez qui là? Ouais, G, okay, c'est bon, on est là tout sur le chemin. Ouais, G, voilà, c'est G que j'ai vu moi la dernière vidéo, exactement. Ok, donc on descend en dessous. Et il y a encore des bulles. Ah, voilà. Ah, ta porte de garage. Oui, mais sauf que là il n'y a rien, regarde comment on fait. Ouais, une clé d'entrepôt, ouais, mais on n'a pas la clé d'entrepôt. Vous êtes sûr que. Ouais, ça commence à devenir compliqué là. Ouais, ça commence à devenir compliqué parce que je rappelle les viewers que nous avons une clé de grue à trouver pour activer la grue. Là, par les fenêtres. Par les fenêtres. Alors, où ça là? Je vois en dessous là, je vois Rick en dessous là. Ok, par les fenêtres. Est-ce qu'il y a des bulles? Y'a pas de bulles? Y'a rien, demi-tour. Ok. Par contre, je vois, il y avait des bulles en bas. En plus bas? J'avais des bulles en dessous là. Ok, on te suit. Ici là? Ah non, y'a pas de bulle. On remonte? Je sais pas, j'avais dû voir un reflet, mais. On remonte alors, là je suis dans la merde. Là je suis grave dans la merde, là ça va pas le faire. Si. Non, c'est bon. Bah, mais où? Attends, je vais. Oh, putain, ça va être super limite si j'y arrive, les viewers. Si je tombe pas dans les pommes. T'inquiète, il en passe. Bah on est en face, okay. En fait. On est remonté un petit peu sur le bâtiment en fait. Ouais. Je suis alors. On est allé avant qu'on traverse de l'autre côté. Ouais, l'avant-dernier truc de bulle en fait, pas le dernier. Mais on n'a pas regardé, mais au-dessus de nous c'était ouvert. Hein. Alors, on retourne. Fallait aller dans le bâtiment au-dessus de nous. Non, y'a rien. D'accord, je te vois, Rick. Ouais. Allez, jetez un œil, vous avez des palmes, hein, je rappelle. Donc, si vous voulez juste visiter vite fait, vous pouvez le faire mieux que moi. T'es au-dessus là, t'es bien? Ouais, y'a rien. Y'a rien? Ah ouais, non, y'a rien. Alors, moi pour l'instant j'ai soif, donc je vais boire sous l'eau. Bah attends, moi aussi je mange un. Et je vais même manger un petit steak grillé sous l'eau. Non, par contre là, ça avait l'air ouvert en dessous. Encore en dessous? Ouais. Alors, en dessous où ça? Par rapport aux bulles? C'est comme le premier truc qu'on avait vu. Je vois TVH, je suis TVH. Descends, là il y a une grosse brèche. Moi j'imagine que le tunnel qui est en dessous va servir à quelque chose, hein, je dis ça comme ça. Hein. Oui, bah on va y aller au dernier. Ça je l'imagine très très bien ça. Non, y'a rien non plus ici. Demi-tour, y'a rien, c'est juste pas fait pour requin. Ouais. Ok, juste en dessous. Ah putain, je suis en train de me faire grailler moi. Y'a pas de bulle ici là? Ok, faut remonter. Faut remonter, ah, ok. Non, mais y'a rien du tout dans le bâtiment en fait. Non, y'a rien. Ouais, mais le tunnel qui est en dessous il est pas là pour rien, à mon avis. Je pense que c'est pour. Ouais, c'est ça en fait, faut trouver l'entrée de l'un côté ou de l'autre. Mais. Faudrait essayer de lancer la porte pour gagner du temps. Bah sinon, faudrait la taper ce putain de requin en fait. Vous voulez que je jette là-bas? Je jette tout. Ou je sais pas, au milieu, on va voir. Il va flotter, il va pas tomber au fond de l'eau. Oh. Non, il va rester sur place. Il va rester sur place? Donc je jette là, en plein milieu là. On y va? Oui. Ok. Voilà, là j'ai chié en plein milieu là. Sauf qu'il est où? Il est plus là? Non, il voulait me manger. Bon, ouais, c'est pas grave. Ok, bon, alors je retourne aux bulles. Alors moi je descends, mais. Non, pour moi y a rien en fait, faut remonter, on a dû louper quelque chose. Là on est un peu paumé là les gars, j'ai l'impression là. Tu disais à gauche qu'il y avait rien alors qu'il y a des bulles. Parce que après là, j'ai l'impression que les pièces se ressemblent donc y a pas de. Merde, je vais plus avoir d'air. Et si vous allez jusqu'au tunnel en dessous là, jusqu'au tunnel, il y a quoi? Ah, j'ai peut-être la suite.
Ah, moi ça m'intéresse, TVH. Oui, remonter au niveau de la passerelle intermédiaire. Donc le tunnel, quand tu dis la passerelle, tu parles du tunnel. Oui, okay. Du tunnel. Ok, à droite ou à gauche? Enfin, peu importe, d'abord rejoignez le truc et allez sur des bulles, pour être tranquille. Ok, je te vois là, de toute façon. Bonjour. Je te vois, yes. Ouais, voilà, juste en face en fait. De l'autre côté, sur le bâtiment, jouez une petite, je sais même pas comment ça s'appelle. Tiens, une petite passerelle qui monte et qui descend. Pour moi, on n'a pas fouillé ça. Où je suis là? C'est là où je vais? Ouais. T'as dit en face, hein, c'est là en face. Je vous ai pas vu partir. Hein. Rick, t'es où? Attends, là, oui, il y a des méduses, faut suivre les méduses, c'est des indices. Moi j'ai rien dedans, y a rien dans le truc que tu m'as dit. Juste à côté alors, là où il y a les bulles. Il y a des bulles. Toi Gadu, il y a des bulles. D'accord, oui, parfait, je descends parce que moi j'ai plus de... Tu vois, j'ai vu la passage. Oui, il faut suivre les méduses, elles nous indiquent les passages. Ok, normalement. Là ça va mieux. Mais y a rien. Y a rien, on est d'accord. Là où elle est rentrée, là, les méduses, elles rentrées dans le bâtiment. Elle rentre dans le bâtiment. Allez, elle rentre là, regarde. Ah, elle rentre ici. Y'a rien non plus, tu vas me dire? Putain, je me fais grailler, mais... Je prends cher avec le requin, moi. T'es où? Bah, je suis retourné aux bulles, là, que tu m'avais dit, là, c'est... Ouais, voilà, ouais, t'es à côté de moi. Voilà, il est là, le requin, il est là, le requin. On est trois dessus, hein, mais encore faut-il le tuer. Rien de battre. T'inquiète, je peux le tuer souvent. Ouais, non, mais j'ai ma vie, voilà, je suis au 4-5ème, hein, donc je suis plutôt tranquille, hein, mais... C'est pas le souci de vie, hein. Je peux le tuer. Non, moi ce qui m'embête, c'est comment on descend, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc là, on va regarder. Mais Ouais. Là, attention, il reprend l'agro. Y'a rien en dessous. Hein. Je vais faire un ou deux étages en dessous, hein, mais là déjà c'est fermé. Voilà. Regarde sur toi. Là c'est fermé clairement. Je vais pas faire tous les étages, mais là je me fais encore grailler sans déconner. Il est quasiment. Je doute pas, mais moi je tape pas parce que j'avance pas vite et. J'ai besoin d'oxygène en fait au fur et à mesure donc. Je survivre, hein, y'a pas de problème. Hein. Ouais, parce que. Oui, bah si, il nous faut les 4. On a rien là, on n'a pas les. Ah oui, on a pas une clé. On a combien de lampes? Attends, j'ai même pas regardé. C'est ça, il nous faut 4 lampes. Il manque une lampe. Il faut peut-être retourner dans les apparts. Hein. Peut-être que dans les apparts on a les lampes qui nous mènent aux méduses qui continuent, donc faudrait remonter en fait. Alors. Vous avez été dans le au passage dans le tunnel là parce que le tunnel il y a quelque chose dans le tunnel, attendez, vous avez pas été fouillé dans le tunnel. Mais pour le tunnel il faut écarter les méduses. C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est il faut les 4 lampes pour activer le projecteur. Ok, alors ça c'est pas le problème, mais en fait on peut pas rentrer sur le côté du tunnel. Non. C'est vitré. Donc effectivement. Bah, sinon je vois pas l'intérêt d'avoir 4. Oui, je suis d'accord. J'essaie de remonter en vain, j'ai un peu de mal, hein, je vous l'assure. Je regarde si je trouve pas des choses, voilà, de mon côté, mais il y a des vieilles qui est à côté de moi. Les lampes, elles ressemblent à quoi vos lampes là? Parce que. Une grosse ampoule blanche. Grosse ampoule blanche. Et là, il nous en manque juste une là. Oui, on en a 3. Ici, j'ai pas vu, fouillez au cas où. Moi, j'essaie de remonter dans les appareils. Il va falloir effectivement chercher un peu, mais je vous rappelle que j'ai pas de palme, les viewers, donc on va avancer piano. Voilà, sûrement vous aurez vu un petit peu comment ça fonctionne hein, sous l'eau, hein, au passage. Voilà. Ça, vous avez un bon spot là, et voilà. Super important aussi de prendre les spots pour nos amis les viewers pour qu'ils sachent de quoi on parle. Après ils vont dire quoi, ils vont être perdus, et ça c'est pas bien. Moi je peux pas trop bouger, hein, je suis un peu un boulet sur ce coup là, mais Non mais t'inquiète, on fouille tous pareil, le même truc. Je pensais que vous alliez me dire, bah comme d'habitude, il y a du... mais... Ah Farah, non, il est pas ça Farah. Comme d'habitude. Ah tiens, je me disais ça. Il y a un truc ici... Pour faire joli, mais... Voilà. Là, vous avez un superbe spot, les vieux. En fait, dans les apparts, il y a des plafonds troués. Là où vous avez... Oh putain, mais on n'avait pas vu. Oh, c'est bon. Il faisait nuit. Revenez dans l'appartement de gauche. Vous prenez l'ascenseur. Alors. Attends. Moi, je suis au niveau là, de la passerelle, je te rappelle. Hein. J'ai pas remonté. Oui, il faisait nuit. Faut que je remonte là, à partir de la passerelle, là. Les méduses qui s'ouvrent. Le bateau il est là. Ok, donc je dois pas être trop loin de la porte des méduses parce que je suis quasiment à la surface. Donc, alors, vous prenez le. Je vois la porte avec les méduses effectivement, sauf que là elle se ferme. Vous prenez la cage d'ascenseur. Fais gaffe, fais gaffe. Et vous allez tout de suite vers l'air. Donc il y a un truc que vous allez voir qui est évident quand il fait jour. Il y a des faux plafonds. Non, il n'y a pas de plafond du tout. D'accord. Ah oui, voilà, oui. Ok, pardon. Donc je remonte effectivement là où il y avait le. Vas-y, alors, monte. Je suis dans les appartements, exactement, ouais. Vas-y, monte. Ah oui, d'accord, oui, y a pas de plafond, ouais, d'accord, exact. Ouais. Pas de plafond. Et là, on est sous l'eau, on est quoi, en fait? Non, on est pas sous l'eau, on est en surface, en fait.
Oui. C'est pas une bulldozer, quoi. Il y a un appart entier qui est pas soulevé sous. Bah. D'accord. Okay. Voilà, il était là le problème alors. Parfait, bah on a plus qu'à fouiller. Ça fait du matos, j'aime bien. Moi je trouve très sympa l'ambiance. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que. Allez, l'ampoule, j'ai l'ampoule, elle est devant moi. Il y a une télé. On prend ouais, la mais télé. Attendez, comment. Prends tout. C'est qui de les avoir en fait les ampoules là, parce qu'elle est devant moi, mais vous la. On prend là. À la recherche de l'ampoule perdue, ça va être les vieux, voilà. Bah, Bingo sera la miniature. Non, j'ai. Waouh. Allez, va y prendre l'ampoule. Je suis électricien. Incroyable. Incroyable. Tu vois, le fait qu'il fasse nuit, je m'en doutais que c'était pas bon. Du ça pour, on y va, je tout ça pour un film de Constance. Il y a deux petits faux plafonds comme ça avec du loot. Mais voilà, on va pouvoir. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça, ça c'est des boots en fait. C'est des boots. Je me demandais aussi pourquoi il y avait ces trucs là. Bah alors, il y en a peut-être aussi aux autres. Aux autres, tiens. C'est pas. Des c'est boots, vraiment. Oui, alors c'est des boots, c'est une bouée qui a exact, ouais. Ah, si, il y a des passages, mais il y a rien. Je vous attends pour mettre les projecteurs. Où c'est qu'on fait ça? Dehors. Alors. Attendez, je ressors déjà, j'attends que les Ah, il y a les merguez, c'est pas les merguez, c'est les merguez, pourquoi les merguez? Non, les mimes, là. Attends, j'en monte sur le bateau une seconde, parce que j'aimerais juste au moins manger un petit coup correctement, tu vois, sans être emmerdé par un... Ouais, mais en fait, t'as de l'air, C'est pas mon appât, là, qui traîne là, ou c'est celui de Farah? Ah non, j'ai pas acheté d'appât, moi. Ouais, donc c'est le mien, c'est le mien que j'ai juste en bas. J'ai posé la question à TV, j'ai dit, bah non, il va rester roulé. Et le retour, il s'est dessus, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Si vous le tapez, il désagroule le piège. Je prends un petit coup de flotte, attendez une seconde. Et je vais prendre aussi un peu de bouffe, je pense, parce que là. Ouais, je moi aussi. Tant qu'à remonter, tu vois. Creuse la flotte, hein. Ouais. Bah, l'eau salée, surtout, ça creuse les plaies, ça, on sait. Ça nettoie bien d'ailleurs, le passage. Très très bien. Ouais, c'est pas ça que. Tiens, qui c'est que j'ai des sacs et... Ah, toujours pas récolté, hein. Ne faites pas récolter. Oh, j'ai ramassé la tête de requin. Requin à l'avant, je sais pas où il est. Non, il était sur le piège. Et il est sur la place. J'ai pas envie qu'il pète le piège avant qu'on rentre dans l'eau. Tête de requin. Tête de requin, c'est à l'intérieur, Gadu. C'est où? Dans les coffres à côté de ta bouffe. Dans les coffres où il y a la bouffe. Dans la colonne, ouais, la colonne des 4 coffres, il y a les têtes dedans. Alors là, dans la colonne où il y a la bouffe. Ah, ils sont là, d'accord, exact. Ouais, mais là, le stack est déjà rempli, mais c'est pas grave. Ça en fera deux en plus. Ok, c'est bon, nickel, c'est rangé. Ouais, enfin niveau boisson en fait, ouais, je suis déjà pas mal, c'est bon, ma vie est remontée, donc moi je peux redescendre s'il vous plaît. On redescend. Ok, bah là à droite. Il y a à droite. Ah, il est à droite pour le deuxième projecteur. Juste ici. D'accord, allez, vas-y, éclaire-moi ça. Boum, ça s'ouvre. Voilà. On y va direct ou on prend un peu d'air avant? Non, On verra bien. Oh, c'est une route. Ah, il y a des bulles au fond. Parfait. En fait, il y a rien derrière. C'est un tunnel routier. Du moins pour les engins de. Maintenant. Ah oui, pour la plateforme pétrolière. Ouais. Voilà. Donc là, normalement, on peut remonter. Là, il y a de l'air, d'accord, mais c'est mais carrément. C'est carrément ouvert. Et franchement, la pression de taré qu'il doit y avoir là-dessus. Il y a des pics. Ouais, attention, on va pas se frotter contre les murs. Hein. J'ai de la bouffe. Mais on peut avancer après, hein, à côté. J'ai frappé coucou. On peut avancer, là il y a encore un G avec un trou dans le. Ouais, c'est par là, c'est bon, j'ai trouvé où il fallait. J'ai trouvé où il fallait. Tout vous continue en fait le chemin, puis ça va marcher. Bah en fait, on suit le G en fait. G comme. Grabber. Grabber. Non, comme gars du gaming, hein. Il est en rouge comme gars du gaming. Ah non, c'est Grabber. Non, c'est Grabber, il est en train de parler. Il paraît qu'on risque de. J'ai pas le temps, sur le jardin. Les gens, les radeaux. Attention au tuyau. Utopia s'appelle. Bah tiens, mon Utopia, moi, elle est ici. J'ai commencé à renforcer la sécurité de la tour. Ouais, exact, ouais, on l'a vu avec les pics. Attention au tuyau et au mur. Quelqu'un s'est piqué. Oui. Bah c'est toi. Ah non. Bah c'est moi là. Bah oui c'est moi tiens. Quand ça se fait je touche à rien. Oh. Vous pouvez passer à travers. Mais maintenant faut monter. Oh, on va peut-être le trouver. Ah ah. Il y a la musique du suspense. C'est pas mal. Doucement. Ah, il y a juste une corde mais c'est pas grave. Bah ça a coupé quelqu'un. Bah j'ai sauté. Oh c'est pas beau. Elle est où la corde? Mais non c'est un câble. Bah j'ai entendu quelqu'un faire. C'est moi qui arrive ou quoi?
Ah, regarde, il y a des câbles partout. Putain, j'ai pris encore un dégât là, c'est moi là, ça c'est moi qui prends un dégât. Non, les câbles on s'en fout en fait, hein. Je sais pas à quoi ils servent mais. Mais je vois rien. Attends, attends. Je vais crever parce que je vois rien. J'ai plus de casque. Je peux plus éclairer. Eh, hey, y'a un truc qui brille là! Y'a un truc qui brille dans le noir! C'est quoi? Je sais pas, attends, je vais voir, c'est on dirait des planches. C'est une caisse. Une caisse, ouais, c'est une caisse, ouais, tout ce qui est tout bien. En fait. Tu vois ou pas? Non. Vas-y, bon, viens jusqu'à moi. Moi, je veux plus rien. Ici, avance, avance. Vas-y, vas-y, avance. Y'a un petit cube, voilà. T'as des problèmes de visibilité, Eric, au passage. Parce que... T'avances là où je suis? Bon, je vais voir les paramètres. Peut-être que... Moi, je vois, alors je vois pas grand chose, mais je vois quand même, je peux marcher, c'est pas noir. Non, moi, je vois très bien. Bah, non, enfin, très bien, non, non, mieux que ça quand même. Moi aussi, oui, je vois très bien, je vois jusqu'à l'autre bout de la salle. Bah, moi, oui, mais c'est juste que c'est bien sombre quand même. J'espère que les viewers vous arrivez bien à voir parce que. Et quand je me rapproche des objets, je les vois mieux c'est en bon fait. Rink. J'ai un truc sur la tête ou quoi là? Comment ça se fait? Attends. J'ai rien sur la tête en plus. Reviens un peu plus. Oh, tout va. J'avance un peu pour l'instant, hein. J'explore. Hop. J'essaie de pas découvrir des choses pour pas vous. Ok, c'est bon. Maintenant, monte les échafaudages. Faudra pas rater le saut ici. T'inquiète, t'inquiète, y'a plus de tuyaux. Alors là, on a des pics un peu partout. Alors désolé, vieux, on voit pas grand chose, hein. Vous vous mettrez dans le noir pour voir peut-être mieux. Eh, il a mis 15 ans à faire son piège ou comment ça se passe? Parce que là. Putain, c'est un peu. Faut aller là où je suis, coller au mur. Non, c'est bon, là où je suis, là, ça passe aussi. Ah oui. Bah oui, protège son trésor. Ah, ouais, c'est quoi son trésor? Je sens le fail. Je sens, c'est le la note cocale là qu'il y a dans ce monde là, tu vois. Oui, ah non, le mec il a dit qu'il piquait des trucs, etc. Donc il se cache un grand favori des enfants. Faut sauter là. Oui, Gadu, est-ce que tu veux un frappé coco? Un frappé coco? Oui. C'est sérieux, t'as un frappé coco toi? Ouais, tiens. Il a ramassé un frappé coco, okay. Quoi. Et j'en fais quoi de frappé coco là? Bah, tu bois. Oh putain, ah oui, ça remet une barre en plus, dis donc. Oui, c'est comme les petits plats, sauf que c'est assez pour les boissons. Et on pourra en fabriquer. Oui, alors il va falloir qu'on fasse ça aussi. Ok. Oh. Par contre, Eric, il grave du poisson. Ça, je sais pas. Là, il a fait. Oui, j'ai été blessé donc. On descend là. Alors, désolé si vous voyez pas grand chose, Evuyard. Moi, j'ai même pas. Et en plus, toi, Eric, tu devrais voir mieux que moi. Quand tu marches, je vois qu'il y a un halo de lumière autour de toi parce que t'as le casque. Clé j'ai pas. Ouais, mais justement, ça, je vois rien parce que je vois mes pieds, mais c'est tout. Lampe pour casque avancé. Ok. Mais encore faut-il avoir un casque. Là, il me le faudrait, ça serait bien. Je peux une clé entrepôt. Qui a ramassé la clé entrepôt? La TVH. Moi. Alors, du coup, la clé entrepôt, c'est-à-dire qu'on pourra ouvrir le garage. Très et peut-être que derrière le garage, il y aura la clé de la grue. Oui. Alors, vous lirez le texte, les viewers, en dessous là, parce que sinon on n'est pas rendu. Là, je suis ok. Du coup, on se casse. Cache collector. Ouais, il y a un trophée Steam là, cache collector. Je sais pas si vous le voyez, les viewers, je sais pas si c'est filmé ou pas ça. Vous me voyez ou pas? Non, on ne voit rien du tout là. C'est par ici en fait. Non, vous voyez pas. Là devant. Là il y a une fonceuse là, mais après. Il faut. Vas-y, là. Rick, tu vois quelque chose avec ta lanterne ou vous préfériez que je prenne moi la lanterne pour que vous me voyez? Ouais, vas-y. Comme tu veux. Bon, comme tu veux, si. Il y a des caisses. Ah, vas-y, donne alors. Il y a plein de trucs à ramasser là. Non, j'ai pas de casque, c'est pour savoir si tu me passes ton casque pour ta lanterne pour que je puisse voir. Pour que vous puissiez vous me voir. Que vous puissiez me voir. Oui. Alors je suis en train de me blinder de stuff au passage. Il y a plus de stuff, j'ai tout ramassé. Ok. C'était que du matos? Oula, non, il y a des omelettes aux champignons, il y a du biocarburant, enfin c'est la totale hein, ce qu'il y a sur le lien. Après il y a pas autant de choses que ça. Il y a la recette du moulin rouge, il y a du melon rouge, excusez-moi. Là je vois rien là, je sais pas s'il y a un passage. Non, en fait y'a rien, c'était juste pour un monticule Lucas. Donc on passe par là, on doit redescendre au premier passage. Je dis des conneries au passage. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas le moulin rouge hein. Oui, c'est le French Cancan là, j'ai fait, c'est pas grave. Mais je sais. Mais il y a du French Cancan moulin rouge non? Ah, tiens donc. Oh. Si à l'origine. Regardez, y'a un petit schéma. Ah alors attends, tiens, ils expliquent un truc là. Alors, le trésor. Le trésor c'est là où on est. Ouais. Et là-haut, c'est là où on passe. Et là, ouais, c'est là où on passe. Bon, bah, en fait, ouais, mais c'est au ras de l'eau, mais sauf qu'au ras de l'eau, en fait, on peut pas, en fait. Ah bah non. Si, c'est au-dessus. Non, non. Le coffre est en dessous, et en fait, le petit bonhomme avec le cerf, c'est la sortie. Ouais, c'est ça, c'est où on ressort. Ok, merci de m'informer. Oh, j'ai eu un crochet en métal, j'aime bien.
Farah, ouais, nous voilà. Faut repartir pour... Oui, l'entrepôt, donc va falloir redescendre. Farah, il a équipé sa toque et tout, il est en train de faire de la cuisine depuis tout à l'heure, hein, Farah. C'est ça. T'es sérieux en plus? Je disais comme ça. Non, c'est pas vrai. Je me disais... Attends, par contre, faut peut-être que je me vide les poches, les gars, là. Vous savez, j'ai des chaussons, moi. Je suis rentré en eau. Farah, il est en train de se mettre les pétasses à la jumelle. je déconne, Farah. Oui, ça, je raconte des conneries tout le temps. C'est vrai. Attends, faut que je pose vraiment mes affaires parce que bon, c'est pas que j'ai 10 000 stuff, mais essayons de se vider un peu les poches quoi. On a juste perdu l'escalier, mais c'est pas grave. Quel escalier? Bah, l'escalier, au niveau des ruches. Ah oui, effectivement, il n'y a plus d'escalier. Enfin, il y a tout. Ah, sur la maison. Ah oui. Bah, il y a une mouette qui a dû passer les fouchés, les escaliers. Pendant qu'on est parti. Ah non, j'ai un fouché. Même pas vu qu'il y avait plus d'escalier. Le requin, il a grillé le morceau où il y avait l'escalier en fait. Il a croqué l'escalier. Ah, du coup, il y a l'escalier là-bas. Il y a des petits melons là encore, là, t'as un petit melon de plus. Un petit melon. Tiens, faut que je mange aussi pour l'inventaire aussi là. Tiens, faudrait vraiment que je fasse un peu de cuisine aussi là, les viewers, mais je ferai ça en vidéo aussi. Ok, alors, ça commence à bien se vider. Je commence pour la fin, Farah là, parce que ça se fait, hein, sans. Ouais, moi j'ai plus rien, Farah, sur moi. Moi je le fais sans rien là actuellement. Il a pas envie de se retrouver nez à nez avec nous. Non mais c'est bien que tu viennes avec nous. Parce que là en fait c'est déjà plus facile maintenant, il y a moins de stress. Il se croit dans les dents de la mer. C'est où ce truc là? À chaque fois il se dit qu'il nous faudrait un plus grand bateau. Ça je sais pas aussi je vais aller, c'est bon, ça doit pas être là les viewers. Faudrait ranger, il y a un bordel dans les coffres encore là, hein. Effectivement, Rick en parlait en vidéo, mais je confirme, il y a du bordel. Alors, quand on est arrivé, tout était bien rangé. Hein. Ah bah je sais pas, il y a du stuff qui était posé n'importe où en fait, parce que tout se mélange. Il y a des briques là qui sont là. Mais quand on est arrivé, tout était bien rangé. Je sais pas. Bref, bon après ça déborde parce que là tu j'ai du stuff sur moi, je sais pas quoi en faire. Après, il faut pas me mettre le bon, putain, c'est bordel. Ouais, là, faut que tu... Désolé, le sol, faut plus tard, que tu maintiennes ton curseur sur le sol et ça, après donc, tu descends pour passer en solide. Par là, je vais mettre par là, voilà, comme ça, c'est important. Là, voilà. Ça ne t'arrête pas. Ok, ben, ça je vais pouvoir le manger aussi. J'ai une pagaie, est-ce que. Oui, mais merde, ah oui. Ça c'est chiant, ça les. Je connais ça. Attends, hop. Voilà. Ça coûte cher, mais on farmera, c'est pas grave. Qu'est-ce que je cherchais, moi? De quoi, qu'est-ce que tu voulais faire? Non, t'inquiète. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, ok. Bon, alors j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien sur moi, mais au moins j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien. Gadu. Putain, chier. Hein. J'aurais essayé, hein. Gadu. Okay. Bien Gadu, là. Mais c'est bon, on peut y aller. En fait, j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien, mais c'est pas grave. Je suis bien, allons-y. Allons-y. Gadu, j'ai un cadeau pour toi. On n'a pas le temps, il fait nuit, vite. C'est la pleine lune. Tiens. Pourquoi c'est la pleine lune d'ailleurs? Ah, c'est le soir en fait. Tiens, cadeau. Hop là. Ah d'accord, tu m'as fait un petit masque, ça c'est gentil ça. C'est pas un masque. Ok, c'est bon. Ça, c'est un masque lumière. Oui. Alors ça va être tout droit, hein, en diagonale. Ah oui. Bah on suit, vas-y, on suit. 2, 3. C'est parti à l'attaque. T'as plus de palme toi. Bah non, ça fait non, moi, vous avez plus rien du tout, hein, même je dirais. Ok, bah c'est pas grave, on y va comme ça. Bah tu nous suis. Ah, la queue, le. Ouais, ça va se faire. Ah, la queue, le. J'allais dire, le requin s'éclate, mais il est pas là. Ok, on prend les. Bah, je sais qu'il a vu la musique pourrie, il s'est barré en fait. Il a dit. Mettez-vous bien dans le faisceau. C'est bon. Pas rempli, c'est bon. C'est ouais, bon c'est bon, on y va à l'attaque. Ok, allez hop, on redescend. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue, le. Après le French Cancan, ça tombe bien, ça, quand même. Non, du tout, ce soir. Oh, c'était encore plus bas, toi. Tour. Pour ta porte, là. Non, oh, c'est pas plus bas, là. C'est pas... Non, c'est en face. C'est en face par là. C'est effectivement en plein milieu du bâtiment. Il y a ouais, la porte de garage, là. Oui, tout à fait, ouais. Attends, on a encore les bulles à ramasser, là, après TVH. Mmh. Voilà, les bulles. On a les bulles. Parfait. C'est bon pour vous? Et après, ouais, c'est juste. Là, c'est okay. Juste. Il faut descendre. Là, on descend, là. Juste là. Descendre sous le G. En dessous, là, tiens, bah, il y a un trou en dessous, là, c'est bon, c'est là. Alors, je vais vérifier que c'est là, mais pour moi, c'est devant moi, là. Non, c'est devant nous. Ah, bah, j'ai planté là. Bah, c'était juste à côté.
Ah, vous êtes là, d'accord. Ah, moi je suis descendu, bah le cran dessous, tu vois, c'était éventré aussi là. Ok, alors attendez, il y a des bulles, mais c'est bon, ok. Il a pas suivi la queue de loup. Allez, ouvre. Ok. Sésame, ouvre-toi. Ou tu t'approches un peu plus. Mais ouais. Putain, c'est motorisé et tout, t'as vu ça? Ouais, motorisé, hein. Attention. Il y a des poissons. Ouais, il y a un anglerfish. Ouais, on l'a, t'as faire un anglerfish. Je me bats avec. On l'a, c'est bon, il est mort. Je ramasse, Ça fait pas de dégâts. Il y a pas d'air, si. Non, non, il y a pas d'air. Si, là. Ok, c'est bon. Allez-y en dessous, là. Ça va. Ça va, Farah? C'est pas trop perdu? Non, c'est bon. Alors, attends, j'ai équipé là, mon masque, là. Si je peux. J'ai plus le mien, t'es vachement. Ouais, mais c'est très nul, en fait, si ça. T'en veux un? Bah, sinon, t'équipes mon casque à moi. Oui, sinon, t'as tout à fait raison. Je vais équiper ton casque à toi. Attention les yeux, boum, et la lumière fut. Ah bah voilà. Allez go. Allons-y, poursuivons. Ça les viewers, vous aurez toute la lumière sur l'affaire. Je crois que c'est jamais le casé celui-là. Je pense qu'il faut continuer encore. Hein, ouais, parce qu'il y a des bulles en dessous là, je vois d'ici là. En dessous il y a des bulles là. Ouais, il y a des bulles là. Ouais, mais je regardais s'il y avait pas... On peut passer, on peut passer à travers. Et il y a un tunnel, bah de la deuxième passerelle. Les dents de la mer. Il y a un poisson. Voilà les viewers. Et là. Là, il y a des choses. Oh, on m'a piqué encore mon anglerfish. Tu le veux? Ah ouais, tu m'as piqué le mien. Tu ne veux pas? Parce que moi j'ai la. Si. Attends, par contre, on va avoir un problème là. On peut ramasser plein de choses. Oh putain, qui c'est qui a fait ça? Regarde, il y a ce putain. C'est le plafond qui s'est effondré. Non, c'est la façade en face, c'est effondré. Attendez, je vais respirer un coup parce que là, je suis très très mal. Hein. J'ai essayé de ramasser quelque chose, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Combat de boss. Putain de requin. Venez si, le plafond, on pouvait pas rentrer. C'est un requin de la mort, ça. Qui tape depuis tout à l'heure. C'est un dinosaure, en fait, là, c'est pas un requin, là, qu'on a, là. Un mégalodon, le truc. C'est ça. Il a été modifié, le truc. On a des builders, il y a des builders. Il y a des barils au centre. Si là, on le tape. Ça a rien fait, j'ai l'impression. C'est bon, c'est un cadeau. C'est un boss. Eh, faut le latter avec des tonneaux ou un truc comme ça là. Vas-y, il va foncer, fais gaffe, il va foncer. Putain, il fonce en fait. Donc, il doit avoir une strat. Il doit avoir une strat là-dedans. Avec les barils. Ouais, mais les barils, t'en fais quoi en fait? Attends, qu'il arrive. Non, il vise les barils là. Tu vois, il vise les barils. Il vise quelque chose sur les barils. Attends, il vient de le taper là. Oh putain. Mais ça fait rien. Quand on tape, ça fait rien en fait. Moi, si je le fais maintenant. Oui. Oh, c'est bugué. Alors, attendez, là il fonce vers nous là. Lâchez le baril. Là, il fonce vers nous. Il a tapé sur Farah. Il faut qu'il... En fait, faut faire exploser avec des barils, non? Oui, je pense que c'est ça. Donc, faut pas garder les barils, non? Bah ouais, mais comment on fait? On les pose où, alors, les barils? Reculeur. Putain, fais gaffe. Alors, moi, j'ai pris super cher. Enfin, non, j'ai pris cher, en fait. On lui met pas de dégâts. Ouais, c'est beaucoup de dégâts, ça va. Faites-le impact, je vais... Qu'est-ce que c'est? Il a cassé un mur. Il a fait un trou. Mais attends, s'il a fait un trou, faut aller dans le trou, hein. Ouais. Il a fait un trou en face. Là c'est non. Clair qu'il faut aller dans le trou. Non, allons-y. C'est pour changer de côté. Attends, il va taper encore le truc là. Eh, faut peut-être faire. Attendez, faut peut-être faire ta-ta-da-da, tu vois ce que je veux dire? Allez, ouais. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est l'extérieur du bâtiment, hein. Y'a rien. Ouais, passe. Est-ce qu'on essaye le ta-ta-da-da? Faut qu'il aille taper là où on veut aller. Faut voir qu'on fouille. Ouais, c'est exactement ça. Va falloir qu'on trouve effectivement. Là, je voyais les caisses au-dessus là. Ça me paraît très bien là qu'il aille taper. Il a fait péter là-bas. Non, bah en fait il va tout casser à fond. Là il fait ta-ta-da-da, pousse-la, fais gaffe. Là il y a des caisses, je suis sûr qu'il faut casser derrière les caisses. Ouais, et là il y a des caisses, là c'est évident, il y a des caisses. Je suis sûr que c'est derrière les caisses. Pourquoi mettre des caisses sinon? Où je suis là? Il y a un réservoir de caisses. Par contre je vous ai complètement paumé moi, je sais pas où vous êtes. Là où je suis là. On est au niveau des bulles. On est au début en fait, on est au début du truc. Oui, où je suis ou pas? Trouver une pièce avec de l'air. Il y a du baume de guérison dedans. Ah bon, on sait pas où t'es. Ouais, c'est ça. Faut que j'ai respiré. Ça serait mieux avec des palmes. Mais moi, je me pose juste des questions, c'est comment on fait sauter les barils? Ils rentrent dedans, ça fait pas de dégâts, on tape dedans, ça fait pas de dégâts, on tire dedans, non, ça non, fait non. pas de dégâts. Les barils posés en face, là, sur les caisses, là. Et on va faire le coup du taureau, là. Les caisses? Quelles caisses? Là, ici, là. Vous voyez pas les caisses où je suis, là? C'est incroyable, ça, quand même. Comment aller voir, là? Oh, bah les caisses sont grandes, on s'en fout. Non, je trouve ça bizarre qu'il y ait ça, en fait.
En fait, ouais, il y a des booms de guérison à chaque fois qu'il y a des trappes. Là, faut, là à mon avis, il faut qu'ils foncent là, là. Ah, faut qu'ils cassent ces caisses là. Enfin, moi, je l'imagine. J'en sais rien, j'imagine. Non, je... on s'en fiche. Je suis pas sûr de moi, les vieux. Hein. Je... Oh là, par contre, ma... mes bulles là. On s'en fiche des caisses. Pour moi, vous le verrez sauter avec des barils, mais vous allez voir, je crois. Et tu crois que le but, ça serait pas plutôt qu'il effondre le bâtiment? Qu'il fasse des trous partout? Je me suis posé la question aussi. Oh, putain, parce que regarde là, regarde, Sphara, viens avec moi, derrière. Et où? Derrière toi. Ah, il y a un truc là au plafond, regarde. J'ai pas vu. Il y a des trucs pour respirer un peu partout. C'est quoi le truc, la tâche qu'il y a là? Ah, les baumes de guérison, bah oui, forcément. C'est juste une tâche. Mais il y a avec des baumes de guérison, donc en fait, est-ce qu'il faudrait pas plutôt qu'il tape dans les piliers qui sont devant? Parce qu'à chaque fois, il y a un pilier. Ah, oui, tiens, voilà. Tiens. Il faut poser un explosif. Tu vois? Il faut poser un explosif dans le truc. Tonneau explosif. J'y vais. Voilà, tu as ta réponse. Je vais me suicider, adieu tout le monde. Ah, placer tonneau explosif, c'est qui? Ah, voilà, nickel. Oh. Voilà. Viens là. Il est où? Ok, et après, si on les fonde, il se passe quoi? Faut qu'on aille où, nous? Parce que là, je sens mal la situation. Il faudra certainement qu'on sorte. Ta-ta-da-da, allez, vas-y. Oh putain, ça a pété là. Rick, j'ai le tonneau explosif dans mes mains. Il y a un truc sur quoi j'ai trouvé. Moi, je voudrais qu'il vienne vers moi, du ouais, coup. Mais je suis à côté de toi, justement. Oh, j'ai plus d'air. Oh putain, il faudrait qu'il vienne. Viens respirer. Surveillez votre. Où est-ce qu'il est, ce con? Ouais, il est sorti dans le trou là-bas. Ouais, mais il va revenir, t'inquiète pas. C'est un peu son objectif de crever, d'exploser tous les piliers. Donc, il n'a qu'un but dans la vie, crever. Voilà. Il est où? Vous le voyez ou pas? Non, je vois rien. Mégalodon. Et par contre, moi j'ai un problème, par contre, c'est que j'ai de moins en moins de bouffe. Je suis parti sans bouffe en me disant que ce serait pas, il y aurait pas de boss quoi, putain, si j'avais... Il est où le putain de poisson là? Excusez-moi, j'ai arrêté, mais en fait j'ai peur de... Est-ce que quelqu'un a vraiment masse de bouffe? À tout hasard. Il me reste un poisson. Non, bah ça sert à rien. Hein. C'est quelqu'un qui a 5 poissons, quoi, je parle. Non, je crois qu'il faut passer l'étage de dessus. Moi je vais prendre l'air, parce que là je peux plus. Bah moi aussi, mais je suis monté dans la pièce là. Ah, il est au-dessus, oui, exact. Il y a un trou là-bas, ouais. Il est au-dessus. Il fait... Ouais, vous avez cassé le pilier, donc effectivement ça permet de remonter. Je pense que c'est juste ça en fait, faut casser l'un des 4 piliers. Et à chaque fois, on passe au-dessus. Il a encore pété un pilier là. Non, il a fait un trou dans le mur. C'est pas bon. Faut qu'il tape plusieurs piliers. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Les 4 piliers tout tour en fait. Non. Il y a encore des trous pour respirer. Faut passer à l'étage de dessus en fait. Ouais, passer à l'étage de dessus en fait. Il faut qu'on remonte tous les étages comme ça en fait. Ah, il me semblait bien que Farah ne pas suivi. Il m'attaque. Mais il y a qu'un seul pilier de démoli en bas. Oui, oui, en fait, mais c'est un suisse pilier démoli. Il y a pas besoin d'avoir les 4 en fait. Un seul suffit en fait pour remonter. Un par étage. En fait, c'est pour faire un trou, simplement pour faire un trou. Écoute-toi. Il m'a tapé. J'ai moins d'oxygène. Bah, reviens vite. On a l'oxygène milieu là. Et où l'oxygène? Et là. Il y en a oublié de la place. Puis t'en as aussi partout, tout autour, au-dessus des caisses. Faut prendre l'aggro sur les poteaux, hein. Il me tape. Oh putain. Oh merci Farah. Bah non. Si, oui, merci, tu Farah. M'as sauvé. J'allais prendre très cher, mais... Bah ouais, parce que moi je l'ai vu, il m'a collé aussi. Hein. Bon, faut se mettre près des piliers, mettez-vous près des piliers, et quand vous le voyez, ta-ta-da-da. Allez sur le pilier. C'est moi qui l'ai pris, c'est large. Ah, c'est... Ouais, nickel, c'est bon, tu l'as vu. Ça serait bien, même avec des palmes. Maintenant, il faut absolument qu'il refasse le coup encore pour péter le poteau. Putain. Et à mon avis, il faut ça 3 fois à tous les coups. Il s'échappe depuis tout ce temps. Heureusement qu'il y a. Bah, c'est l'air sous-marin, Rick. Tu connais pas l'air sous-marin? Le fameux. Le fameux air sous-marin. Le fameux air sous-marin. Vous l'avez placé, le. Non? Oui. Non, pas. Si. Il est placé. Le tonneau est placé sur la tour, effectivement. J'ai rien fait, moi je regarde juste depuis tout à l'heure. Mais prendre des screens pour nos amis les viewers. Non, vu qu'on peut pas taper sur le poisson. Sorti, oh putain, ouais. C'est moi qui l'attaque, mais il a rien fait. Il a raté là. Bon. Il était sur toi. D'accord, j'étais dedans. Attention. On va le rater. C'est bon, il arrive. Oh putain. Boum, allez. Là, l'explosion. Donc là, étage dessus. Vous avez assez. Non, il y en a déjà. Il y en a encore là-haut. Vous avez de l'oxygène ou pas là? Parce que moi j'ai pas d'oxygène. Il y en a tous les étages. Oh, putain, il y en a juste à côté des. Eh, est-ce que vous avez de la bouffe? Désolé, je suis en train de clignoter, du coup je sais, j'arrive plus à nager. Tiens, Gadu. Si, ouais, désolé, non, merde, j'ai tout jeté. Mais... Putain, si j'avais su quoi. T'en prends et tu m'en rends. Ouais, ça marche. Par contre, là, il y a qu'un seul pilier et apparemment il est en métal. Tranquille toi.
pas le seul où il s'est plusieurs fois. C'est mis bien le Rickien. Tiens, je commence à Rick, c'est bon, c'est nickel. Oh putain. À 3, c'est pas beaucoup. Hein. Attends, attends. Non, mais 3, c'est. Attends, il est là, le... tu vois où il est le sac là, Rick? Le bord de l'eau là. Là okay, ouais. Désolé, parce que là, j'ai un pas très gros poisson. Ça y est, va me taper. À 3, c'est pas beaucoup dans les. Il a tapé dedans, je crois. Quoi, il m'a traversé. Voilà. C'est bon, ça va, ça va, ça va, t'inquiète pas. Là, je suis bien, du coup. Il en reste plus qu'un, j'ai remangé, je suis même pas la moitié. Oui, mais un entier. Un entier de 3, 3 parts. Ouais, mais justement, ça fait pas beaucoup. Hein. Bah, 3 parts, ça fait ça fait une demi-barre. Ouais, une bonne demi-barre même. Ouais, un peu plus, mais enfin, entre la moitié et les 3 quarts. Bon, pendant ce temps, moi je prends rien. 0-0 ou quoi. Est-ce que le grand Phara et le grand TVH sont en train de. Non, mais moi je suis 3 quarts, ça devrait aller. Mais le problème, c'est que vous prenez un peu d'aggro à pas vraiment bouger, donc ouais, à chaque fois il tape. Ouais, là il m'a raté, là, il a visé moi. Ah, c'est pas grave, on va la voir. Par contre, c'est moi, il fait de plus en plus nuit ou c'est mon casque qui marche mieux? Non, il fait nuit. Bon, oh, mais il est en train de taper, ouais, Eric, est-ce que je suis en train de me dire? Alors, on surveille. Allez, il faudrait qu'il vienne là. Ta-da-da-da. Allez, vas-y, vise-moi, moi, là. Moi. Non, moi. Ouais, c'est bon. Moi. Non, il vise quelqu'un d'autre, là, au sol. Non, il a visé un tonneau. Je suis le tonneau. Faut que j'aille respirer. Faut vraiment que j'aille respirer, ouais. Sinon je vais crever comme une merde. Allez, respirer. En fait, c'est quand il passe dans le mur, respirer. Ah, je suis mal, ma vie descend. Oh putain. Il va encore faire un trou. Rick. Bah, j'en monte derrière le pilier. Hein. Ouais, c'est bon, il va y aller là. Yes. Bien joué. C'est bon, j'ai tanké. Allez, un petit tonal et puis après c'est réglé. Moi, j'ai vraiment jamais pas encore le tonneau. Ah, il faut 2-3 coups. Le... Ah oui, celui-là, il était blanc. Celui-là, il est costaud, ce pilier. Ouais, encore un coup, là. Bah, c'est le pilier final, j'imagine, donc il est plus costaud que l'autre. Putain, vise-moi. Merde, chier. Au pilier. Fais chier, ouais, là, j'ai pris très cher, surtout, là. J'ai eu très très mal, là. Putain, j'ai pas crevé, là, s'il vous plaît. Faites que je crève pas, les viewers. S'il vous plaît. Parce qu'en plus, je peux pas fuir. Si tu meurs, tu as le jardin, on t'attend pas, hein. Mange. Mais j'ai pu manger. Non mais ça va remonter doucement, ça. Il va foncer là, il va foncer. Ouais, c'est bon. Ouh, il a tapé. Encore un, ah, ça suffit pas. Ouais, ça putain, s'appelle un boss Mario. Tu as trois phases et plus tu fais, plus ça faut répéter le truc. Bon allez, Bozy là, oh, qu'est-ce que tu fais là? Bozy. C'est ça. Boozer. Ou Boozeroné, c'est comme tu veux. Bozy. Je fais. C'est son petit nom, je dis il a été à l'école avec. C'est ça. Mon petit bruit. Ah, il est où le poisson là? J'ai perdu le poisson. Hein. Oh bah, c'est tonneau. C'est bon, j'arrive. Place-le. Oh là. C'est bon, il est dedans. Je redescends, prends un petit peu de. Attends, c'est moi ou c'est pollué par terre là? C'est vert, non, c'est rien à voir. Non, c'est des algues. C'est des algues. Par contre, on m'en parle pourquoi il y a autant de barils explosifs dans un bâtiment? Ouais, bah parce qu'ils prévoyaient de tout faire péter. C'est parce que c'est des Russes qui prévoyaient de faire la fête. C'est un chantier, c'est pour ça. Ok, tu vois des explosifs dans les chantiers. C'est vrai, il va rentrer dedans. Non, il a tapé trop bas. Il passe à ta valeur. Allez, viens. Je vais me respirer. J'ai la moitié de ma vie, donc là, il peut me retaper. Ah, c'est Farah qui... Tiens, voilà, c'est moi qui l'a tapé, là. C'est moi qui l'a cherché encore. Tu vois, c'est moi qui l'ai envie de filmer. Allez, vers le pilier. Il est où, le poisson, là? Eh, il est là. Non, il vise quelqu'un d'autre, là. Ouais, il est celui qui est au sol qui a pris très cher. Tout ce qu'on. Quand on se barre du pilier uniquement pour respirer. Oxygène. Bah ouais, mais là le problème c'est que l'oxygène, moi je suis déjà à la moitié. Quand je suis à la moitié, je redescends parce que j'ai pas de palme quoi. Vous avez tous des palmes? Non. Non. Allez, viens vers moi, ça va péter. C'est bon, bien joué. Yes. Ok, on repasse au-dessus. Stay the boss. Ça y est, il est mort. Bah en même temps, on va faire éclair parce que moi j'en ai plus. C'est la surface. C'est pas la surface, mais on peut respirer. Convenablement. Ok, ça sert à quoi de faire ça? Moi je le loot. J'imagine qu'en dessous il y a des marches et tout, hein. Tiens, on peut sortir. Non, venez par là. Où c'est... Ouais, elle est peut-être attends, faut le looter. C'est bon, tu l'as looté? Ouais, c'est bon. T'as rien. Tu lootes. Et où l'oxygène? Je suis au niveau, moi. C'est 25 poissons et sa tête. Trop gros pour tenir dans une vitrine. Trophée du requin. Requin, c'est tellement beau, ça, les vieux. J'aurais pu remonter. C'est tellement beau. Alors, je vous laisse découvrir en même temps. Je vous spoil pas trop. Il n'y a pas grand-chose à spoiler pour le moment. J'ai pas vu où vous étiez parti. J'ai récupéré la clé de l'éolienne. La clé de la grue. Et de quoi faire une éolienne. Ok. Ça par contre ça me plaît l'éolienne. Si on peut faire de la batterie sur. Est-ce que on va directement sur la grue ou pas? Bah oui. Attendez parce que je crois qu'on est pas au même endroit là. Si on est au même endroit, t'es juste en dessous de nous là, donc si. Ah oui, c'est bien. Ok. Là. Voilà, on a ramassé. Il y a des trucs dans le faux plafond, l'échelle du fond.
j'allais passer à côté de ce que je me disais, mais je me suis dit qu'il fallait pas ressortir par où on était rentré. J'imagine que là on ressort par là. Ah, il y a un tuyau là, c'est quoi ce tuyau? Il y a un tuyau, ouais. Enfin, c'est pas un tuyau, c'est un câble. Ah, si, là il y a un vrai tuyau par contre, effectivement. Et ça va nous ramener à la surface, j'imagine, enfin au niveau de la grue, quoi. Je suis, hein, personnellement. C'est évident. Ok. Alors attention, parce que là, si on tombe, on peut remonter, hein. Donc attendez, j'y vais d'abord. Sortez par une des portes sur les côtés. Ok. Alors là, faut suivre les tunnels. Hein. Là, faut suivre les tunnels, faut pas chercher. Là, il y a 25 poissons que j'emmène. Là, on peut pas respirer, donc on est obligé d'avancer. Hein. On peut respirer juste après, c'est bon, nickel. Ok. Un truc intermédiaire. Donc là, il y a tout un chemin là. Alors, on y va, les viewers, hein. Écoutez. Moi, je suis à la surface. Hein. Je sais pas pourquoi en fait on passe par là, ça sert à quoi d'aller par là en fait? T'as suivi tous les tuyaux, tous les trucs là? Non, moi je suis redescendu dans la surface. Oui, il y a une porte intermédiaire, heureusement. Parce que... Là, il y a une porte, là, je vois, il y a une porte. Ouais, une porte. C'est bon, je vais vers la porte. Ok, on se retrouve là. Bah, c'est... faut sortez. Ça nous mène à l'extérieur en fait. Hein. Moi je suis à la surface. Ça nous mène en fait au pont, tu sais, qui était ouvert où on est rentré avec les méduses. Donc, allons-y. Nager jusqu'en haut, il y a un peu de route, mais c'est jouable en une fois. Voilà, sans problème. Il fait qu'elle travaille le truc. Ok. Comme tu dis, ok. Est-ce qu'on va sur la grue et on va mettre la clé de la grue ou quoi? Attendez, avant faut peut-être qu'on se remette bien, parce que là, question bouffe et boisson, c'est pas top. Hein. Ah, comme vous voulez, c'est juste. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait la vidéo est assez longue. Alors soit on coupe. Peut-être? Bah non, je suis parce que là on y va, on n'attend pas. Prenez juste n'importe quoi en bouffe là, c'est pour histoire que les viewers n'attendent pas. Je pourrais faire une ellipse, mais j'ai pas envie juste en haut là. Voilà. Prenez juste un peu de bouffe là, tiens. J'ai attrapé un très gros poisson. Bah, ça me suffira très largement. J'imagine que là c'est la fin. Enfin, c'est la fin de cette île là, pas la fin du. Levez votre tête. Où ça? Oh, putain. C'est un très beau poisson. Ah oui, putain, c'est beau par contre, c'est bien fait. Attends, mais t'es où là? Je vois pas là. Au-dessus du... sous le bateau. Attends, putain, attention, je me décale là parce que... De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, regarde au-dessus du bateau. Cul du bateau. Montez sur la terrasse et regarde, montez sur la terrasse, ça vaut mieux, oui, vous verrez mieux. Ah putain, oui. Ok. Ah mais t'as le truc et tout avec, t'as le pendu et tout là. T'as le ah oui, c'est pour ça que j'ai vu la tranche. Ah, alors, normalement, ça pend à l'extérieur du navire, enfin, ouais, à l'époque ça peignait, ça. Alors, oui, écoute, là, à l'intérieur c'est bizarre. Les restes s'écoulent normalement dans l'eau. On y va ou quoi alors du coup là? Oui, on y va. À l'attaque. Bon, j'ai un peu de stuff sur moi, mais on a pas le temps. Moi j'en prends pas, je me suis remis bien avant. Ouais, avant de toute façon, vous êtes obligé de m'attendre, c'est moi qui ai la clé. Non, tout le monde a la clé. On a tout le monde a la clé. Ouais, premier arrivé, premier servi. Il est doublé par un requin qui évoque Kegadu. Et pourquoi il y a de la musique le requin là? C'est quoi cette radio là? Il y a une radio. Ah oui. Alors, il va falloir grimper, hein, donc j'espère que Farah t'étais pas trop saoulé de la grimpette. J'ai tué tout mon tarme. Eh, est-ce que vous avez pris le de la tyrolienne là? Moi je l'ai. Parce que sans tyrolienne en fait on est coincé, quoi. Enfin, non. Coincé, je sais pas. T'as pas où on grimpe sur cette grue là? Je suis perdu là. C'est pas sur les gravats et tout qu'il faut grimper? Si, il y est là. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors attends, je suis en train de chercher les gravats, ils doivent être là les gravats. Ils sont là les gravats, c'est bon. Nickel. Qui a mis la radio là? Il y a une radio là qui tourne. C'est la radio de la maison. Pas possible. Allez, on y va. Ah oui, il y a les sous à la con, c'est vrai. Alors ça, c'est très mal fait par contre, parce que les sous dans Raph, c'est pas génial. Alors là, Allez, moi je suis là-haut. Ça se fait, mais c'est juste que c'est chiant, quoi. Moi je suis tout là-haut. C'est difficilement dosable quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Oh, ça va me gonfler. Je suis le grand Rick. Moi, je vous attends. Un saut un peu plus compliqué ici, mais bon, ça se fait aussi. C'est pas trop dur. Il y a plein de... Ça, il y en a plein de... Il faut monter là-haut. Mm-hmm. Ouais. Je vous attends. Ah, ça grimpe là, ça y est là, je suis dans le... Allez. Je suis là. Ah, tu grimpes en courant là. J'ai vu la chute. Sacré Farah, hein. C'est quoi le truc au-dessus? Ah, mais tu peux en une fille. N'empêche qu'on s'est fait un boss, n'empêche, hein. Et du premier coup. Mm. Bon, avant, il est pas trop compliqué. Ouais, il est pas très compliqué. Bah, enfin, quand même. Voilà. Enfin, moi j'ai rien fait, si j'ai fait que regarder, mais je suis pas mort. C'est déjà bien.
Attends, par contre, j'enlève le. Je vois que j'ai encore le mon casque là. Voilà, oui. C'est quand même mieux. Donc, c'est quoi une meilleure lampe? Alors, elle est où cette grue? Non, la grue, c'est pas là qu'il faut aller, pourquoi on va là? Non, ça va. Mais non, c'est pas là. Parce que moi, je bah, qui c'est qui grimpe là? Alors, Rick, on là, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je regardais ce qui se passait en fait. Faut chercher la cabane du capitaine. Pas du capitaine. Cabine. De la grue. Non, c'est pas là non plus. Bah, c'est là où je suis. La cabine de la grue, vous montez l'échelle de la première échelle de la grue, vous arrivez où il y a la cabine. C'était oh, pas c'est là. Oh, joli mais... le navire. Pourquoi vous descendez? Faut pas descendre. Faut activer la clé avant. C'est là. Exact. Allez. J'ai mis la clé, hein, c'est parti. Fais tomber. Attends, ça se met en branle, comme on dit. Non, levier. Attention, oula, ça déplace, oh, là, ça déplace. Attention, je suis là. Et après? Ah d'accord. D'accord, alors, moi j'ai un problème, c'est, je vous le dis, hein, je n'ai pas de tyrolienne. Moi, tu descends à pied. Ouais, mais sauf que je pourrais pas monter dans le truc. Alors techniquement, tu pourrais, depuis le navire, tu pourrais monter. Alors, je peux que vous regarder, donc dites-moi qu'est-ce que vous trouvez. Des batteries améliorées. Ouais. Bah oui, on le lit, là. La note du prochain endroit. Ok, parfait, Varuna Point Historian. Ok, quoi d'autre? De la bouffe. En fait, c'est pour le chemin. La bouffe, je le prends aussi, le... parce qu'on est mal niveau bouffe. Hein. Et pour le prochain code, en fait. Donc c'est bon, on a tout. Et ben, du coup, c'est bon, vous revenez ou... Parce que là, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, il y avait que ça, c'est pour ça que j'imagine que je vais pas emmerder en fait, à redescendre, à essayer de grimper avec le bateau, faire des manœuvres et tout, enlever l'ancre. En train de fouiller les autres pièces, mais il n'y a rien. Ça, c'est un coup à faire une connerie, ça. Je vois très bien passer par-dessus bord le bateau qui va tout seul, qui part. Alors... tu vois la catastrophe hein. Donc, non. Du coup, on se rejoint en bateau, et puis voilà, je vois que vous apprenez la batterie améliorée et que vous avez appris l'éolienne. Donc, on a de meilleures batteries pour que ça dure beaucoup plus longtemps, et on charge la batterie, on convertit le vent en énergie pour recharger les batteries. Ouais, comme ça, on n'a plus besoin de carburant pour les batteries. Mais ça coûte du titane, et pour le titane, faut fouiller les îles. Oui, bah va falloir qu'on farme un petit peu hors vidéo, mais de toute façon, moi, j'ai pêché le poisson, là, on va farmer, ça vous dit, vite fait, une demi-heure là, hors vidéo. Demi-heure ou une heure peut-être, parce que je me connais, ça déborde toujours. Et puis, attendez, ne partez pas sans moi, hein. Et tout le monde est parti, là-haut. Oh. Ah ouais, ils s'en vont sans nous, là. À la tête. Attends, faut pas que je tombe dans le... Ça se fait que je suis monté directement à l'étage, moi. J'ai ramassé batterie améliorée dans l'eau. Oui, je sais, c'est le schéma. Et lui, il jette les schémas, là, t'as dit de pas les jeter, les schémas, bordel. La collection... C'est la collection de Gadoche. C'est ça, hein. Dommage qu'on n'ait pas de peut-être pourri comme dans Minecraft. Tiens. Bon bref, on va se laisser ici, les viewers. On rentre la prochaine destination avant. C'est Tempérance. Comment ça tu rentres la prochaine destination? C'est rien rentré du tout. Il est tout rentré, Loïc. C'est bon. Toutes nos batteries classiques pourront passer en... 36. Amélioré. 36-68. Et voilà. Check. 2 km en avant. Wow. Bon, let's ce go. Sera pour la prochaine vidéo, les viewers. Nous, on va les farmer, les viewers, hein, d'accord. Ne cherchez pas, on va farmer un petit peu. On se reprendra pour la prochaine île quand on aura farmé et qu'on sera remis bien. Du coup, en attendant, on se laisse et on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Encore levé. Allez, bye bye.